Voilà, donc euh, nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous qui nous écoutez, particulièrement sur Internet, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons aborder ce sujet très important les nouveau-nés et leur nourriture. Les nouveau-nés et leur nourriture. Si vous voulez bien, nous allons aller dans la première épître de Pierre, chapitre 2, et nous allons lire euh, trois versets. Euh, première épître de Pierre, euh, vers la fin de votre Bible. Première épître de Pierre, chapitre 2. Et nous allons lire au verset euh, premier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est dit ici rejetant donc toute malice, toute méchanceté, et toute ruse, la dissimulation, les cachettes, l'envie, la jalousie, et toute médisance, calomnie, désirée comme des enfants. Nouveau-né, le lait spirituel et pur, évidemment, de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez, vous grandissiez pour le salut, si, évidemment, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Je répète, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau nés, le lait, spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, et cette parole glorieuse que nous allons méditer aujourd'hui. Nous savons que l'homme ne peut pas vivre uniquement de pas naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, ce que ces quelques versets signifient pour chacun d'entre nous. Nous le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les nouveau-nés et leur nourriture. Ce passage que nous venons de lire est relié très étroitement au passage précédent. Le chapitre précédent nous a parlé du salut, que nous sommes sauvés, que nous sommes régénérés par cette parole merveilleuse. On a appris que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. On a appris que nous sommes entrés dans la famille de Dieu par cette naissance nouvelle. Et ici, au chapitre 2, versets 1 à 3, eh bien nous avons la même pensée, mais qui est résumée en capsule. On s'adresse à nous comme des bébés dans la famille de Dieu. Pourquoi pour, pour faire quoi Premièrement, pour cultiver un bon tempérament, un bon caractère sans malice, sans ruse, sans dissimulation, sans jalousie, sans médisance. Donc pour cultiver un bon caractère, une maîtrise de soi-même. Et deuxièmement, pour rechercher la nourriture appropriée dont nous avons besoin. On nous parle au chapitre 1er. De ce salut inimaginable, quasiment qui nous est tombé dessus, gratuitement, Alléluia, plus que des lingots d'art qui sont tombés du ciel, le salut nous est venu par l'amour, la bonté, la grâce, la miséricorde de notre Dieu au travers de Jésus. Et maintenant, au chapitre 2 et 3 de 1 Pierre, Pierre va. Ben, Changer un petit peu sa direction, on va parler du pèlerinage chrétien, notre marche, comment marcher maintenant avec le Seigneur, ici-bas sur cette terre, pendant le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas, comment donc fonctionner. Notre condition, depuis que nous sommes sauvés, nous sommes d'une certaine manière les petits de Dieu les petits bébés de Dieu, les petits enfants de Dieu. La Bible dit comme des enfants nouveau-nés, des enfants nouveau-nés. L'image, l'expression, la métaphore, la comparaison est très touchante, comme des enfants nouveau-nés. Pour nous, ce monde actuel dans lequel nous sommes, est comme une pouponnière, c'est comme une crèche, une garderie, une maternelle dans laquelle les héritiers de Dieu sont dans les premières années, les toutes premières années de leur existence éternelle. C'est ce que ce monde est pour nous. Sur la terre, nous préparons l'ouverture d'une vie qui va traverser le temps, qui va transcender les années, une vie pleine de maturité totalement différente dans l'au-delà, dans la lumière éternelle de Dieu. Les plus avancés parmi nous, comme chrétiens, avancés dans la connaissance de Dieu, dans le savoir, dans la Bible, les plus avancés parmi nous, dans ce qu'ils ont compris, dans ce qu'ils ont réalisé de Dieu, eh bien les plus avancés ne sont que des bébés en comparaison avec ce qu'ils seront. L'apôtre Paul parle de cela et il va dire dans son épître aux Corinthiens, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière, d'une façon obscure. Mais alors, là-haut, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais. En partie. En partie. Mais alors, là-haut, je connaîtrai comme j'ai été connu. Quel changement! Grandissons dans le Seigneur, croissons dans les voies de Dieu. Mais tant que nous serons ici-bas sur terre, nous ne serons que des bébés aux yeux de Dieu. Comme des nouveau-nés comme des nouveaux-nés, voyez. Et j'aimerais vous dire particulièrement que la vision est tirée le plus loin possible les conceptions dans nos pensées les plus parfaites, les expressions de vérité les plus appropriées sont des pensées en réalité peu instruites. Sont comme des babillage d'enfants par rapport à ce qui nous attend. En comparaison avec la vie future, mature, qui existera, qui existe dans l'au-delà. L'apôtre Jean a dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons, et il est dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Voir mon Sauveur face à face, tel qu'il est. Hallelujah. Et la même idée donc, est exprimée par Paul dans sa description, je dirais, merveilleuse, exquise, de l'amour chrétien. Paul essaie de nous montrer que parmi tous les bouquets de la grâce, je dirais, chrétienne, des grâces chrétiennes, l'amour, eh bien, est éternel dans sa nature. La connaissance disparaîtra. Les prophéties disparaîtront. Le parler en langue disparaîtra, mais l'amour demeurera pour l'éternité. Pour l'éternité. Nous allons nous aimer dans le ciel éternellement. Alléluia. Et nous allons l'aimer éternellement. Il n'y aura pas un seul instant dans l'éternité où nous aimerons un peu moins le Seigneur, où notre amour envers lui va diminuer. Non, 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 non. Nous allons l'aimer. L'amour est éternel. Et l'apôtre Paul parle de cela justement aux Corinthiens. Et il va déclarer en disant Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Sur la terre, nous serons toujours des enfants. Un jour, ce qui est de l'enfant va disparaître. Nous ne raisonnerons plus comme des enfants. Alors, nous serons un état de maturité formidable qui nous dépasse totalement. Et je dirais que cet amour qui va durer pour l'éternité qui bourgeonne déjà ici-bas sur cette terre mais ce ne sont que, que des bourgeons voyez des petits bourgeons d'amour ici et là c'est cet amour qui défie les froideurs de la mort eh bien là haut dans le ciel sera en pleine floraison pour l'éternité et pour rendre cette conception encore plus accentuée, plus vigoureuse, Paul place l'amour en contraste avec la connaissance. D'un côté l'amour, de l'autre côté la connaissance. En affirmant, Paul affirme que notre connaissance, la plus profonde que nous avons ici bas, de la Bible, de Dieu, du salut, tout cela va s'évanouir, disparaître. Car dans cette vie-ci actuelle, nous ne sommes que des enfants. Comme des enfants nouveau-nés. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand j'étais enfant, va dire Paul, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais, mon raisonnement, mes pensées étaient enfantines. Mais quand je suis devenu homme, et nous allons devenir hommes véritablement là-haut, dans le ciel, quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Tant que nous sommes sur terre, nous serons des enfants de Dieu. Là-haut dans le ciel, nous serons tous des hommes mûrs, des femmes mûres de Dieu. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne périra jamais. Jamais. Donc, dans la vie prochaine, alors que nous garderons l'amour que nous avons déjà dans cette vie si bas sur terre, nous mettrons de côté la connaissance parce qu'elle était partielle sur cette terre et elle manquait de maturité parce que nous serons passés de l'état d'enfant à l'état d'homme en Christ. L'apôtre Paul fait la différence entre le partiel actuel et le parfait éternel dans l'éternité. Il va parler, il va dire nous connaissons actuellement en partie, en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. La connaissance que nous avons Actuelle, elle est limitée. Nous avons la connaissance d'une taupe <laughs> par rapport aux gloires éternelles qui nous attendent dans l'éternité. Alléluia. Le partiel disparaîtra. Le parfait sera introduit. Et Paul lui-même se considérait donc comme un petit enfant comparé à la maturité de l'éternité. Donc, devant tout cela, la première chose que nous apprenons, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Je me rappelle un ancien pilote de, de Gros Boeing par rapport à un avion qui s'était écrasé dans l'océan Atlantique et euh, en parlant de cet écrasement, a dit Cela devrait nous garder humbles. Parce que l'avion a fait face à des orages inimaginables. Et comme un petit jouet, touc, il n'a pas pu résister, il est tombé. Ce que je suis en train de vous dire devrait nous enseigner l'humilité. L'humilité. Notre meilleur pas, quand nous marchons. Notre marche la plus forte, la plus vigoureuse ici-bas, en obéissance au Seigneur, eh bien ce sont seulement comme des petits pas que nous faisons, des petits pas d'enfant, lorsque l'enfant commence à se tenir debout, à s'accrocher au bord de la table, à s'agripper, en comparaison à l'obéissance parfaite que nous aurons là-haut envers le Seigneur. Il est dit que dans l'éternité, nous, nous suivrons l'agneau partout il ira. Nous suivrons l'agneau partout où il ira. Ici bas sur terre, nous-mêmes nous comme chrétiens, nous ne suivons pas l'agneau partout où il ira. Nous obéissons un peu, nous désobéissons un peu, vous voyez, c'est vraiment parfois cas chaos. Toute notre connaissance, ici-bas. Toutes nos expressions envers le Seigneur, toutes, je dirais même nos louanges envers Dieu, c'est à peu près comme l'ignorance des enfants, l'ignorance des bébés, l'ignorance des nouveau-nés. Qu'est-ce que connaît un nouveau-né Pas grand-chose. Le sein de sa mère, la chaleur du corps de sa mère. Il reconnaît la voix, peut-être, simplement. Il ne connaît pas grand-chose. Toute notre connaissance que nous avons, c'est à peu près comme les premiers balbutiements d'enfants, gazouillis d'un bébé, gazouillement d'un nouveau-né. C'est à peu près comme ça, par rapport à ce qui nous attend. Si nos frères et sœurs qui sont morts cette semaine, ou le mois passé, ou l'année passée, Pouvez revenir, il nous dirait, il s'arracherait les cheveux, il dirait, vous savez rien. Vous n'avez rien vu. Comme c'est magnifique, comme c'est grand là-haut, comme c'est au-delà de toute compréhension. La Bible dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous lui offrirons des louanges avec un cantique nouveau. Il y aura des musiques nouvelles. Il n'y aura aucun rock dit chrétien. Jamais. Vous n'entendrez jamais au ciel un rock chrétien. Un cantique nouveau nous sera enseigné. Et je vais vous donner déjà le, le couplet que nous chanterons. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils en régneront. Alléluia. On va chanter ça. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le psaume 131, il est dit c'est David qui dit ça, Éternel, éternel, je n'ai ni un cœur, S'enflent, ni des pensées orgueilleuses, mais j'ai un, une âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Comme un enfant sevré auprès de sa mère. C'est là notre attitude à avoir, de rester toujours petit dans nos souliers. Ici-bas sur Terre, nous ne sommes pas surpris si les gens ne nous connaissent pas. Si on est méconnu, on n'est pas surpris. So what? On n'est pas surpris si les autres ne nous remarquent pas, pas de problème. On n'est pas en colère, si on est traité avec très peu de respect, pas du tout. On n'est pas découragé si on est avec, je dirais, devant nous des mystères incompréhensibles. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cet accident, pourquoi mon enfant a-t-il telle maladie C on laisse tout cela entre les mains du Seigneur. Notre intelligence est seulement à son tout début. Notre intelligence est seulement à son début, à son aube. Nos puissances véritables ne sont pas encore développées à leur plein, à leur plein pouvoir. Nos forces mentales sont limitées. On saisit peu de choses. Et vous demandez, de quoi j'ai prêché Dimanche passé. Oh, vous avez déjà oublié. On est limité. On est limité. Parfois, c'est moi, j'oublie ce que j'ai prêché. <laughs> Loin de nous le cœur hautain. Loin de nous le cœur orgueilleux. La Bible dit dans Romains 12 N'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Loin de nous, l'orgueil, les paupières hautaines, l'opinion élevée de nous-mêmes. Il y a un faux évangile qui est entré dans l'Église depuis quelques années, l'évangile de l'estime de soi. C'est un évangile d'orgueil. Il y a six choses. Que le Seigneur a en aura, et parmi ces choses, ce sont les yeux autant, l'orgueil. Dans Romains 12, il est dit de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Modestes. À nous, le gazouillement des bébés, comme de nouveau-nés. À nous, le lait. Spirituel et pur de la parole. À nous, le aisément, le chuintement de l'enfance, tout ce que nous pouvons dire, c'est Abba, Père, Papa. <laughs> Abba, Père. Nous n'avons pas reçu un esprit, je dirais, de servitude, d'esclavage pour être encore dans la peur, dans la crainte. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous sommes des bébés adoptés. Et tout ce que nous disons à bas, Père, quand vous priez, dites notre Père, nous sommes ses enfants. Alléluia. Humilité. La parole de Dieu nous enseigne non seulement l'humilité, mais l'espérance, l'espoir, l'espoir. J'ai fait un service funèbre cette semaine. À des gens que je ne connaissais pas du tout. Ils cherchaient un curé, un prêtre, à tout ça. Elles ont dit euh, Est-ce que vous pouvez venir On ne connaît personne, tout ça. Je dis Pas de problème. Et devant 15 personnes que je ne connaissais pas du tout, j'ai annoncé l'évangile de gloire. Alléluia Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Il y a des gens parmi eux qui n'avaient aucune espérance. La Bible dit que les, les païens n'ont aucune espérance. Mais nous, comme chrétiens, nous avons une espérance. Et cette espérance ne trompe pas. Cette espérance est réelle. Cette espérance ne ment pas. Jérémie a dit un jour au Seigneur :« Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr, une eau polluée qu'on on hésite à boire ?» Avec le Seigneur, vous pouvez boire. Je dirais, c'est une eau pure, une eau propre, une eau saine. Elle vous fera du bien. Elle vous rafraîchira. Parole de Dieu, cette nourriture nous amène de l'espoir. Vous savez, un bébé, il n'y a rien d'aussi dépendant qu'un bébé. Un bébé dépend de tout. De tout, absolument. Il dépend parfois pendant longtemps, pendant des années, de ses parents. Il dépend. Et celui qui a prévu, notre Dieu, ces longs mois d'enfance, ces années, il les a désignés, voyez comme cela, eh bien, il a aussi pourvu à l'amour, à la patience d'un père, d'une mère, qui accueille dans leur foyer, qui soigne cette petite chose étrange qui est arrivée dans leur foyer. Ils en prennent soin. Même au travers des maladies d'enfance, au travers des jours d'anxiété, au travers des veilles de la nuit, ses parents vont toujours s'occuper de leur enfant. Ce n'est pas très souvent qu'une femme va oublier son bébé qu'elle nourrit au sein. La question est posée une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait et Dieu de dire si elle oubliait moi, je ne t'oublierai pas, parce que je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes regards. Alléluia. Alléluia. Une femme n'oublie pas son bébé. Elle le nourrit, elle en prend soin. Elle a compassion de son enfant. Cette mère ne considère même pas le prix à payer. Elle ne regarde jamais la douleur. Peut-être que cela entraîne. Elle accepte avec joie le reniement d'elle-même. Elle renonce à beaucoup de choses pour son bébé. Le moindre cri de l'enfant va pousser au travail un homme. Il veut pourvoir aux besoins de sa famille et de son bébé qu'il a maintenant sous son toit. Et cet homme qui est reconnu pour sa force, pour ses capacités, pour son indépendance, il est respecté au travail par ses camarades. Il va se mettre au travail pour la petite chose qui est dans son foyer, son bébé. Il l'aime. Et Dieu, Dieu serait-il déficient dans ce domaine-là, dans sa provision, dans ses soins, dans sa, dans sa garde le Seigneur dit, vous que j'ai pris depuis votre début, dont je me suis occupé depuis très longtemps, eh bien le Seigneur dit, je vous ai porté dès votre naissance. Et jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, répète-t-il, je vous soutiendrai, je l'ai fait. Et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. Ésaïe chapitre 46, verset 4. Merci Seigneur. Dieu aurait-il placé dans les autres, dans un père, dans une mère, des qualités qu'il n'aurait pas lui-même dans sa propre personne Non. Il l'a aussi dans son cœur, cet amour pour ses nouveau-nés. Pour ses enfants sur la terre, alléluia. Si Dieu a pourvu à nos besoins avec tant de soin dans notre première naissance physique, ne pourvoit est-ce qu'il va pas pourvoir à ses enfants qui sont nés une deuxième fois par la puissance du Saint Esprit <laughs> Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus, il nous a donné, je dirais, le cadeau qui est dans la boîte. Jésus, vous avez ouvert et vous avez vu le cadeau. Ça a brillé de mille feux. Si Dieu vous a donné ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, ne vous donnera-t-il pas la boîte, puis le cordon autour du cadeau Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Romains 8. Alléluia. L'amour d'un parent humain, c'est une parabole, une illustration de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu, illustré. Est-ce que Dieu n'est pas à la fois père et mère Il est tout à la fois. Alléluia. Le Seigneur va dire. Dans Ésaïe, chapitre 66, on va le lire. Ésaïe 66 et verset 12b. 66, 12b. Ésaïe 66, 12b. Il va dire, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, comme un enfant que sa mère console, ainsi, ça veut dire, ainsi, ça veut dire de la même manière, de la même façon, je vous consolerai, vous serez consolé, vous le verrez, votre cœur sera dans la joie, ainsi de suite. Donc, on voit que l'amour d'un parent humain est une image de l'amour de Dieu. Dieu est à la fois papa, il est à la fois maman. Depuis qu'il nous a introduits dans sa famille, il doit avoir envers nous l'amour d'un parent envers un bébé. Nous, bébés, nous avons un droit sur lui. Le croiriez-vous Comme un bébé a un droit envers ses parents. Aujourd'hui, on parle beaucoup du droit de l'enfant. Et c'est vrai. Et nous avons aussi un droit sur notre Père céleste. Il doit absolument prendre soin de nous. Amen, vous êtes d'accord avec ça? C'est votre droit. Donc jamais oublier que le but final euh, dans la Bible des Épîtres, les Épîtres du Nouveau un jour quelqu'un a posé la question, c'est quoi les Épîtres il y a des gens qui ont dit que c'est les épouses de l'apôtre de la Paul. Non. non. <laughs> Ce sont les lettres de l'apôtre Paul. Paul a écrit des lettres 13, 13 lettres. Mais n'oubliez jamais pourquoi ces épîtres ont-elles été écrites? Pour garder, pour préserver les églises du Seigneur qui étaient nouvellement formées. Loin des erreurs de la foi, loin des hérésies. Et c'est dans ce but que les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, sont efforcés d'éclairer ces nouveaux-nés dans le Seigneur, de les former, de les enseigner, de les diriger pour leur sécurité spirituelle. La caractéristique d'un vrai chrétien, c'est quoi? Comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Tous ceux qui font partie du peuple de Dieu sont nés une deuxième fois. Si vous n'êtes pas né une deuxième fois, vous êtes perdu. Vous êtes un, une personne religieuse qui va en enfer. Il faut être né deux fois pour aller au ciel. La première fois de votre mère. La deuxième fois par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Jésus a dit, si un homme ne naît pas d'eau, qui est la parole de Dieu, et du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans le ciel. Il faut absolument euh, donc naître de nouveau. Le baptême dans l'eau, on ne parle pas de ça ici quand Jésus a parler à Nicodème. Le baptême dans l'eau ne vous sauvera pas. Vous pouvez être baptisé 20 fois dans l'eau, vous serez encore perdu. C'est parce que vous êtes sauvé que vous voulez être baptisé dans l'eau. Ça, c'est différent. Amen. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jésus nous a donné le privilège de devenir des enfants, des fils et des filles de Dieu. Comme il y a eu un agneau de Dieu. Nous, nous sommes les enfants, les bébés de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ceci s'applique, je dirais, à toute la famille de la foi. Tout est basé sur la régénération. C'est quoi la régénération, Pasteur La régénération, ça veut dire que vous êtes sauvé. Vous avez été sauvé, vous avez été reconstitué, vous avez été refait de l'intérieur. Vous avez été, je dirais, restauré, changé de fond en comble, de bout en bout, par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez été réformé, vous avez été transformé, vous êtes ressuscité. C'est ce que la Bible enseigne. Alléluia. L'apôtre Pierre va parler de cela. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés, qui nous a régénérés. Auparavant, on était déplugués. Maintenant, on est plugués. Amen. Avec le ciel. Il nous a déplugués de l'enfer. Il nous a plugués avec le ciel. Gloire à Dieu. Le Père nous a régénérés. La Bible dit, comme chrétien maintenant, aimez-vous ardemment, car vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. De Dieu. Alors quelle est la nature du vrai chrétien, les dispositions du véritable chrétien, comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés. Un bébé n'a pas d'astuce, il n'a pas de malice, il n'a pas d'artifice, un stratagème, il n'a pas de ruse, il n'a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de fraude, un bébé n'a pas de fraude. Un bébé n'a pas de tromperie, il n'a pas de... Euh, euh, oh non, au contraire, il a une candeur. Voyez, il a une franchise, il a une honnêteté, il est innocent. Un bébé, on parle d'absence, d'anxiété. Un bébé n'a pas d'anxiété, parce qu'il est plongé dans l'amour de ses parents. Absence d'orgueil. Essayez de trouver une trace d'orgueil dans un bébé. Non, absolument pas, c'est l'humilité. La Bible dit, rejetant toute, toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Absence de haine, nouveau-né, pas de haine, dans le cas, pas de malice. Nous, nous dépendons complètement et totalement. De cet amour céleste, des soins d'un Père et de son Fils Jésus et du Saint-Esprit. Entière dépendance du croyant. On ne peut pas, je dirais, concevoir une dépendance plus complète, totale, que celle que l'on voit sur un petit enfant. Il dépend. Vous qui êtes parents, vos enfants dépendent de vous surtout quand ils sont petits. Quand la maman de Moïse a tissé le berceau, elle l'a placé dans les roseaux. Et ce n'était pas le plancher d'une chambre, c'était l'eau du Nil où il y avait les crocodiles. Dépendance totale. Oh Dieu, veille sur l'enfant nouveau-né. Dieu a-t-il veillé Oui. Son plan s'est mis en branle. Dieu a agi avec sa puissance. Mais l'enfant dépendait totalement. Et de sa mère. Et sa mère dépendait totalement du Seigneur. Vous savez, notre condition est comme cela. Jésus a dit, sans moi, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Laissez l'enfant tout seul dans sa chambre. Il va mourir. Si vous quittez, vous en allez. Sans moi, vous ne pourrez rien. Nous dépendons totalement de Jésus. Ne vous éloignez jamais de Jésus. Jamais. L'état du croyant est dans un état de croissance qui s'élargit, qui va s'améliorer, qui va se perfectionner. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Encore. Très rapidement, le bébé change d'aspect. Ses membres, ses os grandissent au travers du lait maternel. Et nous aussi, comme chrétiens, nous grandissons ici-bas sur cette terre au travers de l'absorption du lait spirituel et pur de la parole. Chaque jour, le bébé devient plus fort. Cet enfant va devenir dans le futur un homme mûr. Sa force vitale va s'accroître sa vigueur, sa résistance va grandir. La Bible dit croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Lorsque on a regardé un petit bébé, il s'appelait Jean. Les gens ont dit au sujet de Jean que sera donc cet enfant Que sera donc cet enfant le moment où son père a dit, il s'appellera Jean. Pof, lui qui était muet, s'est mis à parler. Que sera donc cet enfant Il est devenu Jean le Baptiste. La main de Dieu était sur lui depuis qu'il était bébé. Ainsi, le croyant, nous sommes seulement actuellement en germe d'une grandeur future qui nous attend. Le croyant est seulement le bourgeon actuellement de la gloire à venir. Nous sommes en embryon actuellement. Tu es Simon, mais tu seras appelé séphas Nathanaël, tu t'étonnes de ce que je t'ai dit quand je t'ai vu sous le figuier, mais tu verras de plus grandes choses que celles-là. Nous allons voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous verrons le trône de gloire, nous verrons l'arc-en-ciel autour de ce trône, nous verrons la bouche de Jésus s'articuler et nous dire des choses à nous personnellement. Alléluia. Un bébé tout seul n'a absolument aucune aide. Aucune. Il est ignorant totalement, il est totalement dépendant. Alors, s'il réclame quelque chose, s'il demande quelque chose, s'il crie, s'il supplie, alors évidemment, on va essayer de répondre à ces supplications et à ces demandes. Je dirais que c'est très petit. Tout se passe, je dirais, dans un espace je dirais, très réduit, un bébé. Mais ces demandes qui sont urgentes, eh bien, vont être répondues jusqu'à ce que l'étincelle de vie, protégée par des mains d'amour, eh puisse monter en force à l'intérieur de la petite lanterne. Il va devenir fort, ce bébé. Qui se met en colère parce qu'un bébé est faible Qui se met en colère parce qu'un bébé est malade Qui Non on va avoir une plus grande tendresse vis-à-vis -vis de ce bébé. On dit que les mères aiment, je dirais, le plus et le plus souvent avec tendresse, ces enfants qui leur ont causé le plus de troubles, de difficultés, soit à l'accouchement, soit plus tard. C'est pareil avec Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce sûr, abondé. Merci Seigneur. Alléluia. Votre faiblesse, mon frère, ma soeur. votre crainte nerveuse, votre péché peut-être qui s'accroche à vous, votre tâche héréditaire, vous avez une mauvaise habitude, votre manque de vision, de perception, de compréhension, peut-être votre maladie, tout ça, ça ne fait pas que Dieu va s'éloigner de vous. Non. Il va s'approcher de vous. Encore plus. Et tout cela va attirer son amour le plus précieux vers votre misère, vers votre pauvre être. Il va s'asseoir à côté de vous comme une infirmière va le faire pour regarder dès que le malade va reprendre conscience, ouvrez les yeux. Il va être là. Il est à côté de toi. Il veillera pour observer le moindre changement. Il va prendre soin de toi. Il va pourvoir à chacun de tes besoins, jour et nuit. Il ne dort ni le jour ni la nuit. Celui qui veille sur son bébé, sur son enfant qu'il a tant aimé, il vous fera connaître. Les choses qui sont cachées aux sages de ce monde et aux intelligents de ce monde, il va les révéler à ses enfants, ses enfants, dans des paroles que ses enfants pourront comprendre. Il ne vous abandonnera jamais, jamais, jusqu'à ce que vous parveniez à la beauté parfaite dans la gloire et à la maturité en Christ. Je ne, te, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, a promis le Seigneur. Et en terminant, je vous dirai que cette nourriture, cette parole de Dieu, ce lait spirituel, nous enseigne à avoir la bonne attitude. La bonne attitude. Attitude dont nous avons besoin tout le temps. Ne résistez jamais à Dieu. Ne posez pas des questions à Dieu sur ce qu'il fait. Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Non, 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 non. Ce n'est pas, pas bien. Abandonne-toi totalement entre ses mains. Avec le même abandon qu'un bébé. Fais de l'éternel tes délices. Où sont tes délices aujourd'hui Fais de l'éternel tes délices. Il délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Place sur le Seigneur la responsabilité de choisir pour toi lorsque tu arrives à un embranchement de route, lorsqu'il faut choisir un conjoint de vie. Laisse la responsabilité au Seigneur. Ne cherche pas, laisse le Seigneur choisir pour toi. Lot, la Bible dit qu'il a choisi pour lui-même la plaine de Sodome et de Gomorrhe. Vous connaissez la suite. Samson, en regardant une femme, a dit à ses parents, elle me plaît. Il n'a pas demandé l'avis du Seigneur. Elle me plaît. Vous connaissez la suite de Samson. Laissez-le vous diriger. Laissez-le vous protéger. Laissez-le vous délivrer. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Si tu n'arrives pas à comprendre la volonté de Dieu, Attends-toi à ce que le Seigneur la rende bien claire. Attends. Si tu ne peux pas la ressentir, cette volonté, comme tu le voudrais, crois que ses sentiments envers toi sont comme ceux d'un Père plein de compassion. Si vous êtes vaincu par le péché, soyez certain que cela ne pourra jamais changer son amour. Il va continuer à vous aimer. Il va attendre votre retour. Pas plus que la variole, par exemple. La maladie, la variole, a dévisagé des petits visages de bébés, ainsi de suite. A gâché totalement ses chers petits visages. Mais ça n'a pas pu empêcher une maman d'embrasser les petites lèvres desséchées. Même s'il avait la variole. Amour! Et Dieu nous aime d'un amour im im immensément plus grand que celui d'une mère terrestre ou d'un père terrestre. Vous qui êtes forts dans le Seigneur, vous qui êtes des hommes et des femmes fortes dans le Seigneur, n'arrivez jamais à un état de force spirituelle, de puissance vous je dirais, vous arrêterez de vous souvenir que vous n'êtes que des bébés en Dieu, que des bébés dans le Seigneur. Écoutez sa déclaration. Cieux, écoutez terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et j'ai élevé des enfants. Il est en train de nous nourrir et de nous élever. Et un jour, jusqu'au troisième ciel. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous, tes bébés, nous, tes enfants, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous voulons rester dans l'humilité, dans l'espérance et en gardant une bonne attitude. Loin. De toute malice, de toute méchanceté, de toute jalousie, de toute colère, irritation, calomnie et ainsi de suite. Nous sommes des bébés, Seigneur. Et nous avons besoin de toi continuellement. Nous dépendons de tes soins jour et nuit. Merci, Seigneur, de bien nous diriger, de bien nous soigner. Merci pour l'hôtellerie Seigneur où tu nous as envoyés où nous pouvons avoir les soins adéquats à nos besoins à toi et à toi seul reviennent toute la gloire au nom de Jésus amen et tout le peuple dit amen amen levons-nous ensemble frères et sœurs